paix et grâce à Christ à tous les saints. Tout salué, basant unioso, na kumbo na Yesu. Que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Tout continuer enseignement à Bissot sur le livre d'Esther. Le lot par la grâce de tous Simba, le gène d'Esther. Et tu as dit que tout bon de la fait que le Seigneur a sa son golou. Tout sauté parti mon côté bien que tout coco qui n'a désordre, mais tout Simba va appartenir par la grâce de Dieu. Mais le lot n'a pas oublié en Zambé. Tout le bela, le colo ya gène ya Esther. Tout bon de lui. Seigneur, je te prie, merci pour ce temps. Tout ce qui t'a mon assalou beaucoup na yo. Tigete ngou na yo, boulam na yo, et bilabiso. Nyosu ya yo, tezala musika na kombo na Yesu. Yonde yo tombo amadi lebi à la fin, au nom de Jésus. Amen. Tozui Esther, chapitre 3. Esther, chapitre 3. Tozo bandana verset. On est dans verset 11. On est dans verset 10. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amadata, l'Agagit, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné et ce peuple aussi fais-en ce que tu voudras. Les secrétaires du roi firent appeler le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple. À chaque province selon son écriture, et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Cyrus que l'on écrivit, et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruise, qu'on tue et qu'on fît périr tous les juifs, jeunes et vieux, petits-enfants et femmes. Et à un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et inviter tous les peuples à se tenir prêts pour ce jour-là. Verset 15. Les courriers partirent à toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fit aussi publier d'Assise, la capitale, et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville d'Assise était dans la consternation. Esther chapitre 4, verset 1 à 3. Mardoché ayant pris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville et poussa avec force des cris amers et se rendit jusqu'à la porte du roi, dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. À chaque province, partout où arrivé l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les juifs. Ils gênaient, pleuraient et se lamentaient et beaucoup se couchaient sur les sacs à la cendre. Verset 4, les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela et la reine fit très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Ok. Que le Seigneur bénisse cette lecture. Voilà, tout le temps là, Aman, Oyo Azalaki, ennemi Yaba Juif. Ici, le roi représente Dieu lui-même. Oye Bagina Otombola Aman. Et tandis que Aman a représenté Satan, a représenté paix la mort. L'édit Oyo, le roi Ebagina Kokoma, représente la loi. Parce que
yango nde mutu ezopesa amana makasi donc eloko pesaka pesa ta makasi c'était la loi c'était la loi je crois 1 Corinthiens chapitre 15 ako expliquer yango 1 Corinthiens chapitre 15 tu vas verset 55 ô mort où est ta victoire ô mort où est ton aiguillon verset 56 l'aiguillon de la mort c'est le péché et la puissance du péché c'est la loi donc mon béco de bande ko sala les dix du roi des opes amane makasi c'est la loi nde pesaki satana to pe kufa makasi ya koyeba kokonza to koterroriser ozalaki lipota ya nzambe mais ici on peut remarquer que Mardoché a causé la incapable de voir Mobeko Oyo nde ekosenga Esther à intervenir. Mardoché was incapable awa azo représenter les prophètes de l'ancienne alliance. Mardoché ici représente les prophètes de l'ancienne alliance Oyo bazalaki incapable ya koyeba ko défendre le peuple devant la mort. Esther a représenté Christ. Voilà la première explication. Mardoché a passé la Oezali Bilamba Nae. Mardoché a passé la Bilamba Nae. Tel se rappelle les souverains sacrificateurs Caïphe. Oyo a passé la Bilamba Nae. Pour nous, tel ça, les sacerdotes lévitiques, ils sont incapables. Qu'on passe la Bilamba, ça rappelle la fin des sacerdotes lévitiques. Pote royal. Christ a eu place. Tableau Oyo, ils ont répété. Tableau Oyo a Mardoché parce que nous avons le bélarélo comme moko, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. A répété en haut, Namukanda ya deux rois. A répété Namukanda deux rois, chapitre 5, verset 1. Naman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Verset 5. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 sicles d'or et 10 vêtements de rechange. Verset 7. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un dieu pour faire mourir, pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre. Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi, il saura qu'il y a un prophète à Israël. » Que le Seigneur bénisse cette lecture. Donc, il y a un peu de répéter « Awa ». Il y a un peu de répéter « Awa ». En tout cas, les rois, donc Naman, Oyazana lèpre, donc tu vas nous c'est le roi d'Assyrie, Aza image à éternel Dieu lui-même. Naman, Oyazana lèpre, Aza image à Adam tombé dans le péché, s'alimenter de chez en Adam. Roi d'Israël, Azotalisapé, Moïse et les prophètes, Oyazana qui est incapable, Yakoueba, Nako sauver, Oyazana qui peuplé. C'est ici, dans le temps sinon le prophète, vous savez qui est incapable, il disait au temps de Christ, le roi au temps s'appelle le sacerdoce, c'est Lévitique, et tant qu'il faut au passo là, et la manae, pour que Christ ait un moussala. L'être wana, c'est ça, le rouleau du livre. Vous voyez comment il y a dans le rouleau du livre, il est question de moi, que le Seigneur nous bénisse. Vous remarquez que Mardoché a mouba la dame makasi mi okokate, moi si oaza faible nda kokoka. Vous remarquez que roi a zarapé makasa na minduki a kokokate, mais lisez oaza prophète oaza ne lokote par rapport ya roi, la faiblesse nde a kokoka. Le lokonetel sarapé,
comment Dieu a joué pour sauver l'humanité par la faiblesse. Et nous allons savoir comment Dieu a joué pour sauver l'humanité par la faiblesse. Et vous remarquez, roi Saül a kokokate ko kende ko mundana Goliath, mais mutako kitapo mundana Goliath ko sala David. Or David a la brebis. C'est le psaume chapitre 23, versets 1 à 3. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait conduire, c'est pour dire que David a la brebis. A la brebis mobimba. Donc, il y a une akondima, il y a une anzela nae, il y a une sauvé peuple. Mais Saïl a la fort, il y a incapable. Mais il y a une faiblesse, il y a David, il y a la brebis. Parce que Saïl a la fort, il y a un roi, c'est ça. David, par rapport à roi, il y a un sans soin de tous les bien. Notre roi, roi comme la force, David comme la faiblesse. Donc, Nanzela ya prebi de le Seigneur a koyeba, hein, de le Seigneur a koyeba na ko sauvé oyo ezalaki peuple naï. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, tout a ici tout simplement le détail, le temps de la loi. Autant Mardoché et Aman a connu que la peuple né le temps de la grâce dans Western Rotterdam pour sauver son peuple. Que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse. Autant ici déjà paix et l'amba Oyo Mardoché a zo passola comme la fin du sacerdoce lévitique. Autant ici en haut comme la fin du sacerdoce lévitique. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Donc, le papa qui est là-bas, au bas, au pas là, et là, il y a un peu de la désolation à peuple. Esaïe chapitre 8, verset 23. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays des Zabulon, et les pays de Nephtali, les temps à venir, ouvriront de gloire la contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Donc, qu'au passola et l'ambawana, je vous rappelle les mots de désolation au peuple, Azala qui dominait, le peuple pleurait, le peuple Azala qui n'a besoin. Il y a une solution et pas il y a Nzambe. Que le Seigneur Jésus-Christ bénisse. Vous pouvez remarquer, Esther, à quoi il faut tenter la solution mi balé. Tobi, la solution mi balé. Solution, il y a le bosso. Vous remarquez, tant que Esther a quoi il faut bongo, Esther a quoi il faut bilamba, a quoi il faut la mardoche. Vous avez le quoi le bosso. Oh, Esther a zo sala. A ukamata elamba a kutinde la Mardoché na verset 4. Oui, na verset 4. Les servantes d'Esther et ses eunuques vinrent lui annoncer cela et la reine fit très effrayée. Elle envoya des vêtements à Mardoché pour les couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela à Tak l'un des eunuques que le roi avait placé auprès d'elle, et elle le chargea d'aller demander à Mardoché ce qui c'était et où cela venait. Atak se rendit vers Mardoché sur la place de la ville, devant la porte du roi, et Mardoché lui raconta tout ce qui lui était arrivé. Il lui indiqua la somme d'argent qu'Aman avait promis de livrer au trésor du roi à retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Sise en vue de l'ère d'instruction, afin qu'il le montra à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et implorer en faveur de son peuple. Atak vint rapporter à Esther les paroles de Mardoché. Esther chargea Atak d'aller dire à Mardoché: tous les serviteurs du roi et les peuples des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans les cours intérieures sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve.
à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. Lorsque les paroles d'Esther y étaient rapportées à Mardoché, Mardoché fit répondre Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas celle d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Et s'est envoyé dire à Mardoché, va rassembler tous les Juifs qui se trouvent assis et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et je dois partir. Si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Que le Seigneur bénisse cette écriture. Donc, Esther, Azalaki, l'unique juif, Oyo, Abandaki, qu'on s'est retrouvé, n'a pas le droit. Il était l'unique. Il était l'unique pour confirmer que Christ, Azale seul, ou Azalaki, dans le palais. Parce que Esther a une image à Christ. D'après notre service, Christ, le fils unique qui était dans la présence de Dieu. Que le Seigneur bénisse. Première solution, Esther Azubilamba a pu s'imaginer sa Mardoché, mais Mardoché a coupé à Bilamba. Donc, première solution, c'est Zabila Mardoché Boya et elle s'est rappelé les œuvres de la loi, tous les sacrifices de la loi, où il y a la capacité de mon côté à sauver le peuple de Dieu. Ah. Mais remarquez, il avait encore une loi. Loi wana et bandaki kopekisa ezala mwasi ya mokonzi ezala nani oyo mokonzi akobenga te na presence na ye soka keka ye mona ndenge na ye akokufa soka ke ye mona ndenge na ye akokufa. Cette loi représente mobeko wana ezotali sape la loi de Moïse par rapport à Exode chapitre 19 verset 24. L'Éternel lui dit, va, descends, tu monteras ensuite avec Aaron, mais que les sacrificateurs et les peuples ne se précipitent point pour monter vers l'Éternel, de peur qu'il ne les frappe de mort. Voilà. Alors Moïse était là devant la face de Dieu, mais nous avons oublié sa loi. Enfin, que le peuple a salanin, a matate, peuple a poussé, n'a pas besoin de passer, bachaka, pe mobeko, bachaka, ils ont la limite, ou chamaka, ou ce que vous avez poussé, même Nyamakuta poussani, a simbi montagne, a kokoufa. Mais Moïse était là, devant la face de Dieu. Donc, cette loi, et que c'est mité, n'a mobeko, oyo, et j'ai mis un temps où il y a Esther, parce que Zara est là, comme on zamba, zoarango. Mais il y a tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ça, c'est le mot. On a besoin tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais Moïse, on a besoin de la et ça peut une façon de dire comment, dans l'ancienne alliance, c'est les prophètes, et ça, c'est l'homme, c'est les autres sapés dans l'ancienne alliance comment les prophètes babanda qui ont trouvé ou ezalaki grâce liboso ya Seigneur, que le Seigneur Jésus Christ nous bénisse. Maintenant à kutinda bilamba Esther a koloba tant à kutinda bilamba Mardoché a koboya Esther a kutinda maloba qui nous a Mardoché ba gêné pour naï malgré loi wana. Il y a quoi affronter loi wana. Ce que vous savez, akufa, akufa. Malgré loi wana, il y a quoi affronter ango. Oui. Il faut aller savoir comment le Seigneur devait affronter la loi pour aimer maïna liwa quant à la chair. Mais l'objectif est, ils ont pour biso to saladini pour biso to eba na ko bikisama. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Mais toujours mona Esther, il faut allongola bilamba nae. Oyo alataka
ya malamu alata bilamba mususu basaki po aeba na kokota na oyo ezalaki na gene aeba na kujene les habits ou Esther aza kolongola les hôtels sakoma le Seigneur devait abandonner la gloire et lamba Esther azo lata po aeba ko gene na yango hôtels abiso le corps oyo le Seigneur aeba ki na kolata et ça sur le corps oyo le Seigneur aeba ki na kolata Genester tozo kabula yango boyo Genester e kokipe kozala expliquer lokola le Seigneur oyo tozu 3 jours wana lokola le Seigneur oyo azo kota na mabele na nzoto ya lataki l'objectif c'était pour nous sauver dans 33 awana où le Seigneur a sala ki na kata nzoto to bimisi yango pe lokola les gènes d'Esther to mission comme les gènes d'Esther c'est ça même les vrais gènes où nzamba lobeli na mukanda ya Isaïe je crois Isaïe chapitre 58 si je me trompe pas là où le Seigneur a parlé si les vrais gènes le vrai gène là il parle là quand nzamba zo tika kimba zo lata nzoto c'est ça Jésus wazo sala 33 ans c'est ça le vrai gène. Et Rose a expliqué bongo les 3 jours il y a Genester tout le temps le Seigneur était dans le corps de Jésus. On est le premier aspect. L'aspect musutobi que gène wana à 3 jours et elle se rappelle le Seigneur aux la 3 jours dans le séjour des morts. Hein, gène wana elle se rappelle bongo Isaïe 53 les souffrances de Christ onion so Christ ayebaki na kwandire ayebaki na kumona pasi voilà après ce gène nde Esther fazongisa bilamba na ye tant wazo se kwa nde azolata bilamba ya kembo troisième jour en tous sont comme la ressource de Christ tant azo se kwa na corps glorieux aotika nzoto ya humiliation azo bilamba wana Esther longoli yango azo lata bilamba eklata kitoko c'est ça le Seigneur azo zonga na kata corps glorieux pour se présenter devant le roi comme notre intercesseur il se présente là comme notre intercesseur netango azala liboso ya mokonzi mokonzi akoyeba na kopesa ye akoyeba na kotandre ozala ki sceptre na ye po na kotalisa kaka ke a prouvé faveur pe andimami na face ya mokonzi nde mokonzi akoyebisa rene senganga nyonso kosenga nga meme royaume na ngai tokokabula yango mwatie ngai na yo na kopesa yo voilà oza kotalisa elevation oyo eza koya na sima eza kotalisa elevation oyo eza koya na sima je crois philippien c'est pour cela dit la souverainement élevé il a donné le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms voilà eza elevation eza koya na sima par rapport ya evre Christ akosala la croix de Golgotha mais na olinga beaucoup plus to simba nde psaume chapitre 2 verset 5 à 9 psaume chapitre 2 5 à 9 biolobi puis il leur parle dans sa colère il les épouvante dans sa fureur c'est moi qui ai mon roi sur Sion ma montagne sainte je prenais le décret l'Éternel m'a dit tiens mon fils je t'ai engendré aujourd'hui voilà demande moi et je te donnerai une nation pour héritage les escarpements de la terre pour possession tu les briseras avec une verge de fer tu les briseras comme les vases d'un potier engendré aujourd'hui ça par rapport à la résurrection parce que tu l'as que Christ n'a pas mais la botama deux fois kobota maliboso eza par rapport ya Marie kobota mami baleza pre resurrection na ye là c'est frère Paul mtaza ko expliquer on a acte des apôtres je crois chapitre 13 ndé après wana roi ko se pla partager royaume na ye na Esther c'est ça le Seigneur ozo zo royaume ozo zo kembo après resurrection na ye mais jusqu'à présent royaume wana na nzoto bo se manifester sur la place spirituelle nous avons se manifester dans l'église mais dans notre boue et que nous avons se manifester dans la reine millénaire que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse ou à la portion de préparer qui pour nous aller
Si le Seigneur nous fait grâce, tu continues prochainement. Priez pour nous, que le Seigneur vous bénisse. Le numéro de nos amis, plus 243. 99 88 77 333 plus 243 84 22 64 114 P en Christ. Tout coûte prochainement.